toujours mettre la ceinture lorsqu'en auto on va se promener. Mais avant de mettre la ceinture, ben la ceinture faut la trouver. Il y a un bout avec un truc et un bout avec un machin. Quand on enfonce le bout qu'a le truc, il doit faire clic dans le machin. Bout qui se termine par un machin s'accroche à gauche sur le truc. Mais comme on trouve jamais le truc, on laisse pendouiller le machin. Seulement le bout qui a un truc ne s'accroche pas sur le machin. Ce qui fait que lorsqu'on cherche le truc, il est paumé sous les coussins. Votre voisine cherche aussi son truc. En même temps que vous, elle met sa main juste avant elle, vous fourche le truc et vite fait clic dans son machin. Quand on a le bout qui a le truc, faut trouver le bout qui a le machin. On tâte et on trouve des tas de trucs, mais on ne trouve jamais le machin. Car la portière, celle-là, quel truc coince dehors votre machin. Ce qui fait qu'on ramène des tas de trucs et de la boue sur le machin. On a enfin le machin et le truc, on fait clic, on respire un brin. Mais on voit qu'il y a du mou dans le truc et des tas de mou dans le machin. Pour tendre la courroie du truc et des nœuds et celle du machin. On fait des nœuds à celle du truc et on détend celle du machin. Cette fois, ça y est, j'ai mon truc bien à plat avec mon machin. Et merde, voilà que j'ai coincé le truc de la voisine avec le mien. Alors faut décliquer nos trucs et décroiser nos deux machins. Mais quand on veut remettre nos trucs, faut régler ces sales machins. On va partir maintenant que nos trucs nous paraissent parfaitement au point. Mais j'ai tellement serré le truc que je ne peux plus desserrer le frein. Alors j'envoie balader le truc et je fiche en l'air le machin. Je mets le contact et des tas de trucs prêts à partir. Je desserre le frein. Mais un flic vient près de la voiture et nous fait pimpons. Stop! Faudrait voir pour bien attacher votre ceinture. Mais la ceinture, faut la trouver. Vous rigolez de moi là ou quoi? Non, non, brigadier. Il y a un bout avec un truc et un bout avec un machin. Quand on enfonce le bout qui a le truc, ça doit faire clic dans le machin. Et puisqu'il faut qu'on vous explique dans le langage de notre époque, écoutez ce conseil d'un flic. Gna 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 gna. Un petit clic vaut mieux qu'un grand choc. La confiture, ça dégouline, ça coule, coule sur les mains. Ça passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut avec du beurre. Les trous, on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est à l'heure. Car ça coule par les côtés. Faudrait contrôler sa tartine. La tenir droite exactement. On la met en bouche, ah ça s'incline. Ça coule irrémédiablement. Et ça vous coule dans la manche. Et ça vous longe le pourpoint, de l'avant-bras jusqu'à la hanche, quand ça ne descend pas plus loin. Et quand ça coule pas, ça tombe, le pain s'écrase entre les doigts. Ça ricoche et puis ça retombe, côté collant, ça reçoit. On tente de passer l'éponge. On en met plein ses vêtements. Plus on essuie, plus on allonge. Plus on frotte et plus ça s'étend. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent manger de la crème de marron. Ça colle au pain, c'est sans mystère. C'est plus commun, mais ça tient bon. On fait l'école buissonnière. De retour, on prend l'escabeau. On va tout droit vers l'étagère. Pourquoi tourner autour du pot? Qu'elle soit aux fraises, à la rhubarbe, ou l'ingurgite goulûment.
la confiture, on la chaparde, on l'aime clandestinement. Puis un jour on est bien en place, on mène la vie de château, dans les avions, dans les palaces, on vous porte sur un plateau. Bam, la confiture bam, qui dégouline, qui coule, coule sur les mains, bam, qui passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut avec du beurre, les trous, on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est un leurre, car ça coule par les côtés. La confiture, 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 la confiture.